C'était deux années enrichissantes puisque on a appris beaucoup de choses et on a renforcé nos connaissances en chimie. De plus, nos professeurs sont en contact envers nous puisqu'on a une petite promotion, ce qui fait qu'on a pu poser beaucoup de questions et donc avoir un accès privilégié aux connaissances. Aussi, on a pu mettre en œuvre nos connaissances théoriques grâce à la pratique avec les nombreux TP qui sont à disposition au sein de l'école. Et bah, ça s'est plutôt bien passé parce que j'ai pu voir une grande amélioration dans mon niveau à l'école et aussi j'ai pu faire plein de découvertes, de nouvelles matières, de nouvelles façons de travailler et aussi de nouvelles personnes. Ce que j'ai le plus apprécié, c'est renforcer mes connaissances en chimie, puisque on apprend beaucoup de choses sur la chimie organique et inorganique, sur les méthodes d'analyse. Ce qui a été aussi intéressant, c'est de manipuler pour mettre tout ça en œuvre, parce qu'on vient d'une promotion STL, on a l'habitude de manipuler. Donc les profs ont été beaucoup à l'écoute, à notre écoute justement, pour pouvoir manipuler et se rendre compte de vraiment ce qu'on apprend en matière théorique. Ce que j'ai le plus apprécié, c'était le fait qu'on était très entourés et très bien encadrés par les professeurs. Ils étaient beaucoup là pour nous pousser et aller au plus loin. Alors, c'est très bien passé puisqu'on a beaucoup d'associations au sein de l'école, donc notamment le bureau des élèves ou alors le club CPI. On a beaucoup de contacts entre les élèves préparatoires et les élèves en cycle ingénieur. Du coup, on a un bon mix qui fait qu'on s'entend tous très bien. Beaucoup de soirées sont organisées au sein du foyer, à l'école, et de manière plus générale sur tout le campus de Beaulieu. Et bah, l'école elle organise beaucoup de soirées avec le BDE, et du coup c'est vraiment sympathique. Et aussi Rennes, c'est une ville qui est très étudiante, et du coup elle est très dynamique, et ça c'est vraiment bien. L'UNSR, c'est une très bonne école pour évidemment la chimie, puisqu'on est très bien équipé, on a beaucoup de laboratoires. Les profs aussi sont bienveillants envers les élèves et sont aussi beaucoup à l'écoute, ce qui permet un bon cadre de travail. J'en retiendrai que avec du travail et de la persévérance, et ben, réussir une prépa, c'est accessible à toutes et à tous. Mon projet d'année prochaine, c'est intégrer une école de la Fédération Gay-Lussac pour me spécialiser dans la catalyse et la chimie organique. Et pourquoi pas ensuite, après les 5 années d'ingénieur, me spécialiser pendant un an après. L'année prochaine, j'aimerais bien aller dans une école d'ingénieurs qui est axée sur la chimie organique et après, j'aimerais bien m'orienter vers le secteur de l'environnement.